beau, j'en suis très très content. Je suis emballé. Le brin mécanique en fait apporte un petit plus pour le personnage qu'on n'avait pas auparavant. Le fait qu'on peut casser à tout moment le bras qu'on veut et que ça cancel n'importe quel coup, ça permet de nouvelles possibilités à Nero. Ça ouvre pas mal de possibilités, ça ouvre pas mal d'options. Je dirais que mon préféré c'était Gerbera, qui permettait vraiment de danser autour du boss, danser autour des ennemis, c'était vraiment très dynamique. Et ça fait un nouvel élément à apprendre. Moi je trouve qu'il était plutôt abouti graphiquement. Le précédent était beaucoup plus dark et là c'est beaucoup plus lumineux vu que c'est en extérieur. Les monstres sont plutôt impressionnants. Il est plus moderne grâce à ses graphismes. Les animations faciales sont bluffantes dans la cinématique, c'est vraiment incroyable. Pour un premier boss, il est assez hard, mais très très prenant, très très prenant, j'ai adoré. Ah oui, j'ai réussi à battre le boss, heureusement. En tant que hardcore gamer, évidemment, j'écouterai le boss dès le premier essai. C'est un jeu qui est hyper prenant, aussi bien au niveau du gameplay qu'au niveau de l'histoire. C'est une histoire très prenante, c'est des personnages super attachants. Et moi, personnellement, je le recommande à 100%.